أهلا مشاهدي كرام ومشاهدي أنفاس بلس ضمن هذا اللقاء الخاص. 48 عام والمغاربة اللي اضطردوا كتحل هذه الذكرى الأليمة ديالهم. ربما الناس كتتكلم على ذكرى سعيدة، ولكن هذه الذكرى الأليمة ديال 45 ألف مواطن تم طردهم سنة 75 من الجزائر. هاد الخمسين أو نحن مقبلين على 50 سنة، كيفاش عاشوها؟ كيفاش شنو الأمل ديالهم؟ شنو هي المطالب ديالهم؟ كيفاش على أنه الحكومات المتعاقبة في المغرب لم تولي هذا الملف اهتمام؟ هذه الأمور هذه كلها غادي نعرفوها مع السي محمد الشرفاوي، هو اللي هو رئيس التجمع الدولي من أجل يعني دعم العائلة المغربية المطرودة من الجزائر. سيد محمد أهلا وسهلا، مرحبا بك. شكرا جزيلا على هذا اللقاء اللي يسمح باش نتذكروا على مأساة 45 ألف عائلة مغربية اللي طردت من الجزائر في عام 1975، يعني 48 سنة اليوم. طيب السي محمد الشرفاوي اهلا وسهلا ومرحبا بك، انت رئيس التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الاصول المغربيه المطرودين من الجزائر. هذه 48 سنه باش وقعت هذه الواقعه هذه، اولا اعطينا السياق ديال هذه الواقعه هذه المؤلمه اللي راح ضحيتها الالاف، 45 الف تقريبا ديال المغاربه اللي طردوا من الجزائر. اولا بادين بالبدء شكرا على هذا اللقاء. En fait, nous avons construit le collectif de soutien aux familles expulsées d'Algérie pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que, comme vous le voyez, ce n'est pas un comité des victimes expulsées. C'est un collectif qui va soutenir les familles expulsées. Pourquoi ? Pour une première raison, c'est que ce collectif regroupe des victimes, bien sûr, dont moi-même, mais également tous les Marocains qui sont très très proches de cette tragédie, soit pour son côté droit de l'homme, soit pour son côté social, soit son côté économique, ou ainsi de suite. Voilà. Donc le collectif, quand il s'est constitué, il a fait une première analyse. Le collectif s'est constitué en février 2021. Donc ça fait 2 ans et demi à peu près. L'année prochaine, on va commémorer notre 3e année. Il s'est constitué après une grande réflexion. Et ce qui a amené vraiment à de la réflexion, c'était la période de la pandémie. C'est-à-dire que la période de la pandémie, on était Covid, on était chacun chez soi, hein, enfermé, au moins en Europe. Et donc, ça a permis de créer des plateformes de discussion. Et on s'interrogeait pourquoi cette tragédie qui a touché tant de milliers de familles n'a jamais pu avancer et aboutir. 48 ans après, comme vous venez de le dire aujourd'hui, dans 2 ans, on va commémorer le demi-siècle. Quand une affaire pendant 50 ans n'arrive pas à émerger d'une solution, est-ce que ça veut dire que le Marocain ne vaut rien? C'est-à-dire que vous pouvez déporter 45 000 familles marocaines et rien ne se passe. Est-ce que ça veut dire que la valeur du Marocain ne vaut rien du tout à ce point-là, que rien ne se passe, que ce soit au niveau étatique, que ce soit au niveau de la société civile. Donc c'était toute cette réflexion, nous, qu'on a menée. Et on s'est dit, c'est pas possible, il faut que l'histoire retienne. Il faut que l'histoire retienne qu'en décembre 1975, un pouvoir, un État, a pris la décision délibérément de déporter 45 000 familles qui étaient innocentes et qui vivaient paisiblement en Algérie depuis des décennies et des décennies, et dont la majorité est née en Algérie. Parce que une des raisons que avançait l'État algérien, c'est que
on était en situation irrégulière. Comment des familles qui sont nées en Algérie peuvent être en comme des étrangers en situation irrégulière? C'est un dilemme qu'on ne peut pas comprendre. Voilà. Donc je dis en premier lieu, en tant qu'humain, comment vous pouvez expulser du jour au lendemain, massivement et d'une manière très violente, 45 000 familles et en les démunissant de tous leurs biens, c'est-à-dire en leur enlevant la totalité de leurs biens. Les gens sont arrivés des fois en pyjama. Il venait de se lever et il se retrouvait à la frontière. Je ne le vois pas. Quel est le fond de cette image? Quel est le fond de cette scène? Dans le temps, j'avais 20 ans. Je venais d'avoir mon bac. C'était l'année de mon bac 75. Et j'étais à Alger, où j'avais démarré mes études d'ingénieur. Et je revenais en décembre, l'Eid al-Kbir. Je revenais pour fêter la fête sacrée du sacrifice. El Kbir Diel, l'Iken, exactement le 13 décembre, comme ça se paye. Donc, je suis venu 2-3 jours après et j'ai vu que tous les Marocains étaient en train d'être expulsés. Donc, du coup, je ne suis pas revenu à Alger, je suis resté et on a été expulsés comme les 45 000 familles. Voilà. Donc, à l'époque, si j'ai une image, une seule image à donner, mais c'est une image qui traduit aussi le traumatisme de toutes les familles marocaines de l'époque, c'est mon père, l'Hermo, quand on est arrivé à la frontière Jujbrel, c'est entre l'Algérie et le Mali, c'est le No Man's Land. On a tout avancé, les familles, on était des centaines à avancer. Et mon père est resté derrière nous. Et après, il s'est retourné pour regarder l'Algérie. Et il a commencé à pleurer. Et nous, les enfants, on n'avait jamais vu notre père pleurer. Et donc, c'était un peu le rempart, si on veut dire. Et cet instant-là m'avait marqué parce qu'il nous a dit, voilà mes enfants, là-bas j'ai tout construit, la maison, le travail, j'ai fait mon mariage là-bas, les grands-parents sont enterrés là-bas, on a de la famille qui a fait la guerre, qui est enterrée là-bas, et tout est resté là-bas. Et cette image-là m'avait marqué toute la famille, pour dire que le traumatisme des familles étaient profondes. C'est des gens qui ont vu effondrer toute une vie. On repart à zéro. Quand vous êtes jeune, il y en a qui avant 20 ans, on peut repartir à zéro. Mais quelqu'un qui a 60 ans, qui vient de finir, qui aspire à se reposer, ne peut pas repartir à zéro. Et beaucoup d'ailleurs sont devenus fous, sont devenus malades. Mon père, moi-même, a été touché par une crise cardiaque, ou tout fallait par une crise cardiaque. Donc, le traumatisme est très, très profond. On peut vous tuer sans armes. On peut vous tuer sans armes. En vous humiliant de votre caractère humain. C'est notre caractère humain qui a été abaissé et qui a disparu parce que, par exemple, certaines familles sont venues dans des camions de benne. On met des ordures. Donc, ce n'est plus des humains. On va les amasser dans un camion de benne et on va les déverser à la frontière comme des déchets. Et cette humanité vous touche très profondément. Et ceci explique pourquoi pendant 30 ans, de 75 à 2005, rien ne s'est passé. هذا هو السؤال. يعني علاش سكتنا هذه الفترة هذه كلها 30 سنة وحنا ساكتين حتى 2005 عاد بدينا كنتحرك. واش الحكومات الإعلام أولا ديك الساعة ما كانش كيتكلم على هذا المشكل هذا؟ أولا في الجزائر en Algérie aucune information. Ni dans les journaux, ni à la télé, ni dans la radio, sauf dans les quartiers.
Dans le quartier, on voyait que les quartiers se vidaient de Marocains. À tel point que, à l'époque, on n'osait plus sortir le soir dehors. On avait peur parce que les rues étaient désertes. Donc, côté algérien, c'était le blackout total. Côté marocain, il faut savoir que c'était juste un mois après la marche verte. Ah ouais. Donc, la marche noire, qui a été dénommée telle qu'elle par Houari Boumdine à l'époque, la marche noire est arrivée juste un mois après. La marche verte, pardon. Et le Maroc était bien occupé, je pense, à autre chose. Et la stratégie, en fait, du pouvoir algérien, c'était qu'il fallait renvoyer de manière massive des Marocains au Maroc et de manière à créer un événement, des troubles aux frontières avec l'Algérie qui va obliger le Maroc à quitter le Sahara pour pouvoir calmer ses troubles. Voilà. La stratégie du pouvoir algérien, c'était celle-là. Ça s'est pas passé comme ça. Et donc, on va parler de 2005. 2005, c'est le problème. Pourquoi est-ce que c'est 2005? Alors, d'après notre analyse, il y a plusieurs raisons. La première raison, les psychologues l'expliquent bien, quand un traumatisme comme ça arrive chez les gens ne veulent plus en parler. L'exemple qui est très donné, c'est les déportations des communautés juives et tziganes à la Deuxième Guerre mondiale. Ces gens-là, quand ils sont revenus des camps de déportation, ne parlaient pas. N'arrivaient pas à exprimer le mal qu'ils avaient en eux. Donc, la première chose, on peut l'expliquer comme ça, puisque les familles, donc, les familles ne voulaient pas en parler. Léna, quand tu en parles, Natémitel, Lyum, 48 ans après. 48 ans après, Mitan Tlakao, Abin Ikhwan Lim Trodin, Ritan Kao, Nakiou, qu'est-ce qui nous est arrivé? La plupart des Ufkiou, 48 ans après, les gens ils pleurent, ils sont en larmes. Ça veut dire que le mal est tellement profond que lorsque tu le réveilles, eh bien, il te crée des douleurs. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu le calmes, tu lui dis, bon, allez, je ne veux plus t'en entendre parler. C'est une manière aussi, en tant qu'être humain, de se protéger. Quand quelque chose te fait mal, eh bien, tu essayes de l'oublier, tu essayes de faire le déni. Pendant 30 ans, j'ai fait le déni. Mais beaucoup de mes amis ont fait le déni. C'est quoi le déni? C'est qu'on dit, c'est peut-être pas arrivé. Ou c'est arrivé, mais pas exactement comme on le raconte. Donc on fait un déni jusqu'à un certain point. Alors pourquoi 30 ans? 30 ans, c'est une période, c'est l'équivalent d'une génération. Bien sûr. C'est-à-dire les gens se marient, ont des enfants, ils commencent à réfléchir. Les 15 ans de 20 ans, l'un de ses contents. Voilà. Donc la pensée évolue. Et c'est ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est les réseaux sociaux. Il faut savoir qu'en 2005, on commençait à pouvoir se contacter. Parce que pourquoi je dis c'est important? Parce qu'on était une communauté déportée, mais on était dispersés. Personne ne connaît l'autre. Sauf le même quartier, ou là. Voilà. Donc le deuxième élément, c'est les réseaux sociaux. Et puis, il y a une nouvelle génération qui est arrivée, par exemple, Ouledna, les enfants posaient des questions. Pourquoi vous avez quitté l'Algérie? Pourquoi vous êtes ici? Pourquoi on n'a pas dans la famille un mémoire, des documents, des habits, des souvenirs? On n'a pas de souvenirs. Toute notre mémoire est là-bas. Voilà. Donc tous nos souvenirs sont... Et les enfants posent des questions. Parce que les enfants, ils veulent savoir toujours d'où ils viennent.
Donc il te pose. Et tous ces éléments-là vont nous amener, nous, qui étaient venus, on va dire à l'époque, on avait une vingtaine d'années, ça va nous amener à commencer à trouver les mots à mettre sur la déportation, qu'il faut mettre aussi dessus. C'était une des raisons pourquoi j'ai commencé par publier mon livre. Commencer pour répondre à cette question. Excusez-moi, Mohamed, je vais parler de cette tente. On n'a pas encore en 2005. Cette 30, c'est 45,000 personnes qui ont été déportées. Ce n'est pas 10, ce n'est pas 20, ce n'est pas 30, ce n'est pas 1. Pourquoi ces 45,000 ne sont pas dans le radar de la gouvernement ? Ne sont pas dans ولا ما مطرحش عند هذا الملف ولا هي كتفكر في شي حاجه اخرى ولا شنو ça c'est un avis personnel que je vais donner hein. Je pense que l'état marocain considérait que notre déportation qui est liée au retour du Sahara marocain que les deux sont liés considérait qu'elle était secondaire par rapport au problème principal qui était l'unité nationale. C'est mon avis personnel. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on en parle avec eux, les gens comprennent. Ils disent oui, on va vous aider, on va travailler avec vous. On va... Donc les gens ne disent pas, ne se cachent pas derrière la... Donc ils partagent avec nous. Mais dans l'agenda de l'État, ça n'arrive pas en premier. C'est très bas dans les priorités. Après 2005, depuis 2005, il y a quelque chose qui a bougé. Et nous pensons qu'il y a des choses qui ont vraiment bougé, on va dire depuis 2 ans. Il y a des choses qui ont vraiment bougé dans le sens où je pense que l'État cherchait aussi se chercher comment traiter cette tragédie. Aujourd'hui, en tant que collectif, au-delà de la question simplement revendiquée, nous apportons des propositions. Un exemple très simple. Depuis 2005, on a tenté les archives. Majeouch. Les archives de l'Maghreb qui tardent par exemple la douane marocaine qui nous était gelé là le croissant rouge marocain nous accueillait et on était enregistré, on était photographié, on était donc ça veut dire que toutes les personnes qui sont déportées sont inscrites quelque part. Donc c'est un des archives qu'on a demandé. Il y a une trace. Voilà, qu'il y a une trace. Comme j'ai dit, depuis 2005, on n'y arrive pas. Qu'est-ce qu'on a fait, nous, depuis 2 ans? On a dit, bon, ok, nous, on va construire les archives. Comment? C'est-à-dire, lundi, on va rencontrer les archives du Maroc et on va ramener des archives qu'on a pu rassembler. Et on va dire, voilà, c'est le démarrage des archives. Allez, démarre. Maintenant, les archives du Maroc doivent aller questionner toutes les administrations pour les compléter. Voilà. Donc, c'est ce que je dis, nous apportons des solutions. Nous disons pas simplement l'État doit nous donner des archives. On inverse. Qu'est-ce que moi, je peux apporter? Voilà, nous, on dit, voilà, nous, on peut apporter ça. Allez, on démarre. On vous ramène 3 mètres. Linéaire d'archives qui contiennent des centaines et des centaines de dossiers de Marocains déportés d'Algérie. Et on va continuer d'abord compléter ce travail-là. Voilà. Donc c'est notre manière de travailler. C'est-à-dire le collectif ne demande que on lui mette pas les barres dans les roues. قبل من هذا بالموازات مع التحرك ديالكم داخل الوطن كاين ادى حتى التحرك خارج المغرب وانتم كتكلموا على تجمع دولي واش كاين شي مراسلات لمنظمات دوليه منظمات شغل دوليه ولا بحال هذا الامر هذا السؤال مهم لان اللي خلقنا التجمع طرحنا السؤال فين غادي نخدموا
فين غادي نخلقوا التجمع واش كون فا كرييه لاسوسياسيون لو كوليكتيف اسكو او ماروك ا جنيف ا بروكسل ا نيويورك بلوتو ا واشنطن واش كون فا كرييه بيسكو سي ان كوليكتيف انترناسيونال دونك هاد السؤال طرح لينا après plusieurs discussions entre nous, on est arrivé à une solution de dire il faut qu'on le crée à Rabat. Pourquoi on doit commencer par Rabat? Pour nous, c'est un début et pas une fin. On doit commencer à Rabat pour deux raisons. La première, c'est que la majorité des Marocains expulsés d'Algérie en 1975 sont encore au Maroc. Ça, c'est la première raison. Et donc, nous, on veut de se tenir dans leurs revendications, donc il faut qu'on soit à côté d'eux. La deuxième chose, c'est que cette communauté a été expulsée pour une seule raison. Il n'y avait pas d'autre raison. La seule raison, c'est qu'en 1975, ils vivaient en Algérie et ils avaient le malheur d'être marocains. C'est tout. Ils n'avaient pas commis un crime, ils n'avaient rien fait d'autre. Tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils avaient des papiers marocains. Donc pour les deux raisons, on a dit on démarre à Rabat. Mais comme j'ai dit, ce n'est pas une fin, on démarre. On a d'autres projets. On a d'autres projets au niveau de l'international. Parce que pour nous, au niveau stratégique, on ne peut pas aller défendre au niveau international. Il a fait blé, non, on n'est pas fort. Il faut démarrer par être fort et être soutenu par les uns et les autres au niveau des pays. Et on prend appui. On prend appui là. Et après, c'est simple pour nous. L'international est très simple. Que nous vivons dans l'Europe et au niveau international depuis plus de 4 décennies. La plupart de nous ont des références dans le pays, et ainsi de suite. C'est simple pour nous de faire la continuité de cette lutte au niveau de l'international. Le سؤال الاخير سي شرفاو الان بعد 50 سنه هذا 48 سنه احنا مقبلين على 50 سنه والجرح باقي وكتكلم وانت باقي في عينيك هذا الاثار رغم انك خرج عندك 20 سنه يعني هاد 50 سنه اللي داز ولا 48 سنه باقي الجرح ما براش شنو بغيتوا بالضبط شنو الهدف ديالكم c'est une très bonne question qu'est-ce qu'on veut Alors, d'abord, donc on n'a pas les mêmes moyens. On est en face d'un État et qu'à l'État. Il y a des États avec qui tu peux trouver des discussions. Ça fait maintenant plus de 10 ans qu'on écrit à cet État. Et on leur dit, on veut discuter avec vous. Je veux dire au Canada. Négatif. Jusqu'à aujourd'hui, aucune... Ils remettent même en cause la déportation. Ce qu'on a pu rencontrer, nous disent, qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est des gens de l'État. Ils nous disent, c'est une page noire dans l'histoire de l'Algérie. Ah ouais. Donc, en dehors des lieux officiels. Donc, comment ils sont conscients qu'ils ont écrit une page noire et nous, on leur dit, on est prêt à la tourner avec vous. Mais vous ne la tournez pas tout seul, vous. Il faut qu'on la prenne ensemble et on la tourne ensemble, si vous êtes prêts. Mais ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts, voire pire, en début de l'année 2023, tu as un conseiller du président de la République qui dit est-ce qu'il ne faudrait pas renvoyer encore les Marocains qui sont en Algérie ah oui. En 2023, ce type-là, il dit ça en 2023. Donc, ça veut dire qu'il y a une partie de l'État qui n'est pas encore dans cette idée de réconciliation ou de construction d'une région. Ils sont pas dans cette, ils sont dans un esprit
de j'écrase tout et je veux être le leader. Ouais. Voilà, ils sont dans cet esprit-là. Et, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on veut ? Là, la première chose qu'on veut, c'est qu'on veut reconstruire la mémoire des Marocains expulsés de l'Algérie. D'où notre première réunion publique qui va être lundi. Ouais. C'est très important, comme je dis, que l'histoire retienne. Parce que pour nous, l'oubli, c'est un deuxième crime. On a eu un premier crime qui était 75, et le deuxième crime, c'est de l'oublier, de l'enterrer. Je pense que ça serait le pire des choses qui peut nous arriver. La deuxième chose, c'est que on veut une reconnaissance officielle de l'État algérien de son erreur. S'il le fait pas, nous voulons aller dans les grandes instances internationales pour que ça se fasse. C'est notre deuxième. Le troisième élément, c'est que il y a des familles qui ont été divisées, c'est-à-dire les familles mixtes maroco-algériennes ont été divisées. Si le père était marocain, et si la mère elle est marocaine dans le couple, et ces familles-là, depuis ce temps-là, sont séparées. Et le quatrième et le plus important, disons, un des éléments importants, c'est la réparation morale et matérielle de ces communautés. Voilà. C'est nos quatre principes sur lesquels nous nous battons. Et on est sûr qu'on s'arrêtera pas tant qu'on n'aura pas abouti à ces quatre objectifs. Voilà. C'est Chlofaou, il compte avec nous في هذا اللقاء هذا واللقاء اللي هو أليم فعلا وإحنا كنشوف الأثر ديال الألم في عينيك. شكرا جزيلا لك وكنتمنى التوفيق. مشاهدي الكرام شكرا جزيلا وإلى اللقاء.